Et yop tout le monde, c'est Delta Draco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va parler de Noël et de sa team. Une team sans Furina, parce que je conçois que tout le monde ne peut pas avoir Furina. Alors vous allez voir que c'est pas forcément une team qui est simple à jouer sans Furina. Et vous allez voir aussi que malheureusement, il faut des persos qui sont assez chiants à dropper. J'espère pour vous que vous les avez. Donc on va parler de la team. En premier, on va jouer Yunjin avec elle, puisque Yunjin, c'est un perso qui va booster l'attaque de votre perso à hauteur de sa défense. Donc, ma Yunjin a 1300 d'attaque, 2255 de def, elle a 220 de recharge d'énergie, elle a 45, 84 d'autocrit dégâts crit. J'aimerais qu'elle ait un peu plus d'autocrit, mais malheureusement, elle a ce qu'il faut, enfin, elle a ce qu'elle a besoin. Donc, elle a surtout ce que j'ai en artefact, puisque j'ai jamais trop farmé le donjon. En lance, elle a la lance de Favonius. Ça sera la meilleure lance sur elle. Vous pouvez lui mettre une lance recharge. À la rigueur, je sais pas si la lance rituelle, ça n'existe pas sur ce jeu. De mémoire. Non, la lance rituelle n'existe pas sur ce jeu. Je dis des bêtises. Vous allez avoir ça qui aura de la recharge. À la rigueur, vous pouvez lui mettre la prise si vous avez vraiment pas d'armes avec de la recharge. Voilà, la lance de Favonius, ça reste le meilleur truc. Normalement, si vous jouez un minimum, vous avez cette lance. Elle tombe tout le temps, elle est partout. En artefact, elle aura le full. Elle aura coquille des rêves opulents et emblème du destin brisé. Donc, moi, elle a de la recharge et de la def. Pour les constellations, la mienne est C6. Alors, elle va être très importante la C6 puisqu'elle va augmenter la vitesse d'attaque de vos personnages de 12% lorsque vous activez l'aspect. Et les aptitudes, elle est 1, 8, 13. En soi, il faut monter que l'aspect puisque il n'y a que l'aspect qui va augmenter vos dégâts de 68% de def au niveau max puisqu'elle est niveau 13 la mienne. Donc, ça va être le plus important, c'est de monter l'aspect. Ça fera quelques dégâts, mais après, c'est surtout pour la recharge de faire un appui long avec cette technique. Sinon, pour Noël, elle a 1233 d'attaque, 2740 de défense. Ma Noël a 56-151 de taux crit dégâts crit. Elle a 137 de recharge. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très compliqué d'avoir du taux crit sur elle, puisque en arme, elle a l'ossature du dragon. Alors, j'ai pas d'option spéciale à vous donner pour mettre une arme taux crit. A la rigueur, vous avez le bâton bavard, si vous avez réussi à l'avoir, qui va vous en donner. Vous avez... Est-ce qu'il y en a d'autres au moins? Non, il n'y en a pas tant que ça. Si vous n'avez pas l'arme taux crit, vous lui mettez l'ombre immaculée qui va augmenter sa défense. Cependant, si vous mettez cette arme, vous allez avoir besoin d'artefacts de taux crit en diadème. J'ai pas de taux crit, donc cherchez pas. Vous allez avoir besoin de taux crit en diadème et vous allez avoir besoin de sacrées compétences. Pour le set, le mieux, ça reste le coquille des rêves quand vous jouez sans Furina. Donc ça reste la stat qui va augmenter le mieux vos défenses. Et vous allez avoir besoin, en termes de substat, de taux crit, dégâts crit, def, recharge. Voilà, si vous avez de l'attaque, c'est bien. Mais taux crit, dégâts crit, def, recharge. Là, ici, il y a de la def. Là, ici, il y a de la def, du taux crit, dégâts crit, attaque. Ici, il y a de la recharge, du taux crit, et c'est tout. De la def en main stat. Ici, j'ai de la def en main stat avec de la recharge, des dégâts crit, et c'est tout. Et ici, j'ai du dégâts crit avec du taux crit et beaucoup de def. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça. En constellation, elle est C6. En aptitude, elle est 9, 11, 12. Tout simplement parce que j'ai pas assez de livres pour mettre cette compétence au niveau 9. Donc en soi, faut se dire qu'elle est 9, 9, 9. Pour Goru, il a 1344 de def. Il a 26 de taux crit, 99 de dégâts crit. Il a 234 de recharge. Il a l'arc de chasse de Favonius, mais au vu de son taux crit, il proc pas souvent. Il a un. Deux roches anciennes et deux emblèmes du destin brisé. Alors, me demandez pas pourquoi il a deux roches anciennes, c'est parce qu'à mon avis, j'avais rien de mieux à lui mettre. De toute façon, on veut juste de la recharge. Il a les C2 en aptitude, il est 1-8-4. De toute façon, le mieux c'est juste de monter ça au max, puisque le bonus de def sera fixe et donc il n'y a pas besoin de monter trop ce perso. Il faut juste beaucoup de recharge pour avoir une spé assez facilement qui va vous donner des bonus. D'ailleurs, lui, il donne des bonus selon le nombre de persos géo, donc c'est pour ça que j'en ai 3 dans l'équipe. Et en dernier, on met le petit Bennett, qui a 36 000 HP, qui a 238 de recharge. En arme, il a l'âme de la voûte d'azur. Vous pouvez mettre l'épée rituelle ou l'épée de Favonius, si jamais vous n'avez pas l'épée 5 étoiles, qui se drop sur la perma. Donc si vous avez de la chance, mettez-lui, c'est la meilleure arme. En artefact, il est en full noble. Merde, je suis pas fini. En constellation, il est C6, et en aptitude, il est 1-6-13. Alors, dans cette team, on va d'abord utiliser le shield de Noël. Hop, donc je prends ce donjon parce que les ennemis viennent sur nous. Donc c'est pas mal. J'ai pas vu si j'avais toutes les spé. Bah non, très con ça. Très très con de pas avoir toutes les spé. Donc on va y aller dans 2 secondes, mais d'abord il faut que j'aille recharger les spé. Alors vous allez voir que les dégâts sont plutôt corrects, je trouve. Sachant qu'on la joue sans Furina.
Donc c'est plutôt correct. On va essayer de recharger un peu tout ça. Ok. Eh ben super. Voilà. Ils ont tous leur spé. On va les laisser vivants parce que j'en aurai besoin aussi pour d'autres vidéos. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, on y va. Oui, j'ai pas assez de résine, je le sais. Donc, quand vous utilisez cette team, vous allez mettre l'aspect de Bennett au sol, l'aspect de Gourou au sol. Oh, pardon, le R2, j'ai dit. On va faire ça, on va mettre le bouclier, on va utiliser Yunjin. Yunjin, j'ai dit. Et là, il n'y a plus qu'à cogner. Et vous voyez, on fait déjà de très bons dégâts. Alors, je vous conseille de faire des 3 petits coups. Et de changer, même si le dernier coup est un coup très puissant. Alors, hop. Pour ce qui est des stats, elle monte à 3002 de def et à 5006 sans Bennett. Hop, on va réessayer. Pour ça, il me faut les spé de tout le monde. Hop, donc on va mettre spé de Bennett, spé de Gourou. On va mettre l'aspect de Yunjin, on va mettre le R2 de Gourou. On va mettre l'aspect de Noël et on va regarder les stats. Non, Noël, quand elle est sous tous les boosts, elle a 6922 d'attaque, ce qui est énorme. Elle a presque 7000 d'attaque, 3400 de def, et du coup, elle met des sacrées patates. Elle met quand même de très bonnes patates. Bon, là, évidemment, elle met plus aucune patate parce que j'imagine qu'elle a plus aucun boost. Voilà, sans le boost de Bennett, bon, elle fait un peu moins de dégâts. On va essayer de recharger l'SP. Hop. Hop, sous-spé. Bon, sans booste rien, ça fait quand même ses dégâts. Hein. Bon, en vrai, c'est sûr que c'est moins... C'est moins fort que les dégâts qu'on a aujourd'hui. Quand vous avez un Neuvillette qui claque des 50 000 tous les 2 secondes, que vous avez une Arlecchino qui claque des plus de 100 000 sur un petit coup, c'est sûr que malheureusement Noël sera pas fait pour les contenus endgame. Après, j'aimerais vous proposer une vidéo avec cette arme là. Parce que là, je vous ai proposé avec l'arme du Battle Pass. J'aimerais vous proposer avec cette arme là, mais avec un set maréchaussée et avec Furina. Parce que ça voudrait dire que j'aurais pas besoin de m'embêter avec le taux crit. Et dans ce cas-là, je pourrais augmenter encore sa def et voir ce que ça donne avec juste elle. Peut-être avec Gourou ou Yunjin. Enfin, je ferai des tests en tout cas dans les vidéos. Mais bon, là, cette team-là, c'est vraiment une team sympathique à jouer. Enfin, moi, je vous conseille de la jouer dans l'open world. C'est sympathique. Le problème de Noël, c'est vraiment son problème de recharge. Elle est disponible depuis le début du jeu. Donc, au bout d'un moment, c'est sûr que vous aurez... Pas des problèmes de recharge de toute façon. Hein. Il y a très peu de persos. Enfin, elle est vraiment. Elle souffre du fait qu'elle soit vraiment assez vieille. Aujourd'hui, vous avez toutes les choses qui font que ça renforce le tout. Allez, les recharges et tout. Mais alors, malheureusement, je sais pas si avec un set emblème ça pourrait être bien. Donc on va essayer contre un boss, tiens. On va essayer contre... J'allais dire la Lamonie. Ai-je envie de faire contre la Lamonie? Elle est chiante, la Lamonie. Le Chiosor, le problème, c'est qu'il a une raise. Oh, quoi. Oh, quoi que. Allez. Allons le faire contre le Géosaur. Un dernier petit test. Puisque le Géosaur, c'est ma victime. Donc, ici vous attendez un petit peu. Vous faites Speed Bennett. Hop, on met le boost. Et là, on cogne. Ça donne quoi en attaque chargée? C'est pas tété en attaque chargée. Alors, le problème, c'est vraiment la recharge de cette team. Hein. Aïe, oui, oui. Allez, on y retourne.
On recharge un peu tout le monde. Allez. On met l'SP de tout le monde. Oh là là. Qu'est-ce qui m'a fait autant de dégâts? Alors, qu'est-ce qu'elle a la demoiselle en boost? 5200 d'attaque, 2800 de def. Non, c'est sympa, mais comme je vous ai dit, le problème, c'est vraiment la recharge de Noël. Hein. Alors, en tout cas, c'est une team qui peut vous permettre de vous amuser. Puisque de toute façon, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous jouez à ce jeu-là, ne devenez pas des méta slaves, ça sert à rien. Genre vraiment, la méta, c'est pour là, et ça va vous prendre 30 minutes. Et maintenant, le nouveau truc ici, ça va vous prendre, allez, entre 30 et 45 minutes. Voilà, c'est ça. Donc, entre 1h et 1h30 par mois, pour avoir des trucs offensifs. De toute façon, le but, c'est juste de s'amuser en open world. Donc, je vous conseille de tester cette team si vous avez les persos. Parce que je conçois que lui est très dur à trouver. Parce que tant elle revient sur des bannières, autant lui, il revient qu'avec Ito. Et si vous ne voulez pas Ito... Eh ben, goodbye les gens, hein. C'est simple. Lui, je les drop une fois, par chance. Les deux doublons que j'ai, je crois qu'on les a eu par event. C'est tout. Donc, c'est vachement sympa. Sur ce, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao.